Et voilà, on commence cette vidéo en manquant de percuter quelqu'un. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais en cours. Je suis donc à Versailles, ça change un peu. C'est un peu le bordel ce matin. Hier, la vidéo a un peu coupé à l'arrache parce que mon ancien téléphone ne marche plus trop bien. Il a des petits soucis et là, j'arrive pas à démarrer avec. Donc en plus, on roule sans musique parce que du coup, mon téléphone ne peut pas diffuser la musique sur la deux-roues et en même temps filmer. Je vais essayer de trouver une solution pour résoudre ce problème, mais c'est pas pour tout de suite. Donc là on est sur Versailles, on va pas gagner beaucoup de temps Giro parce qu'il y a beaucoup de monde, les trottoirs sont pleins. Surtout à cette heure-là, là on a une heure où c'est un peu le bordel. Voilà, pas facile. Parce que voilà, je commence à 9h et à 9h c'est le bordel vraiment. Il y a beaucoup de monde partout, beaucoup de voitures et voilà, traverser est quasiment impossible ici. Donc on est souvent bloqué, donc je vais passer par des endroits où il n'y a pas trop de monde exprès, mais au départ, sortie de gare, je suis obligé d'être coincé derrière les gens. Et bon, je vais pas dire toutes les 2 secondes, poussez-vous, poussez-vous, c'est un peu chiant, donc on va rouler peinard. Donc voilà, pour hier, la vidéo a coupé à cause du téléphone. J'espère que le problème va être vite résolu. Pardon, excusez-moi. Ah, et pas trop le choix parce que là quand même ça va un peu trop lentement. On va y aller peinard. Je vais traverser en face je pense. Pas là, lui d'après. Ouais. La discussion d'hier, oui, la deux-roues, est-ce qu'elle est utile? Oui, moi quand je vais au travail, elle me fait gagner 10 minutes, 5-10 minutes. Et en plus c'est un réel plaisir de rouler en giro-roue pour aller au travail. Comme je disais, t'arrives, t'es vraiment joyeux, t'as vraiment le sourire, t'es content. Ça met vraiment de bonne humeur. Puis le plaisir de glisser sur la route et tout, enfin voilà. Quand t'as un peu de temps, tu fais quelques slaloms, tu fais un petit trajet en plus. Voilà, putain, des gens en plein milieu, comme d'hab, en plus il y a des trous dans la route, enfin. Merci. Voilà, là on va rouler ici. Donc oui, on a droit à rouler, pas sur la chaussée, bien sûr, on n'a pas droit sur la route, mais on a droit sur les trottoirs. J'ai coincé 6 km/h, la vitesse d'un piéton, et vu qu'on est considéré comme un accessoire à piéton, on doit rouler doucement et laisser la priorité à tous les piétons. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, quand même, beaucoup de piétons qui se demandent un peu qu'est-ce qu'on est, parce que peu de gens nous connaissent, du coup, nous laissent assez facilement passer, et ça les fascine, ils regardent, et du coup, ça nous permet de gagner quand même pas mal de temps. Sinon, on a le droit de rouler sur les pistes cyclables, donc comme là actuellement. Où là, c'est 25 km/h, je crois. Les mêmes réglementations que les vélos. Donc voilà, on est mi-vélo, mi-piéton. Ça dépend un peu des endroits où on est. C'est dommage qu'il n'y ait pas la musique, franchement. Ça change. J'essaie de trouver la solution. Je vais essayer de trouver un moyen pour foutre le son, peut-être avec le téléphone, même s'il plante beaucoup. Voilà, c'est temporaire. Je vais regarder pour acheter une caméra avec un harnais pour plus avoir la porte à la main, parce que là je la porte à la main et il fait super froid ce matin franchement. Il doit être 8h40 mais il fait plus froid qu'hier quand j'étais à 7h du mat, c'est vraiment violent là. Voilà, la route un peu défoncée. Et voilà, et là je ne sais jamais par où il faut passer, donc on va regarder. Je suis quand même depuis un an à Versailles, mais je prends jamais le même chemin. Je sais la direction, je sais que c'est par là, et après c'est tout. Donc après je fais un peu à l'arrache. Hop, petit passage piéton, passe sur la bande cyclable. Donc là j'ai quoi? J'ai même pas 10 minutes de trajet. Sachant que j'ai roulé 3-4 minutes avant de prendre la vidéo parce que sortie de les gars, c'est vraiment le bordel. J'essayais de faire marcher l'ancien téléphone, le Bluetooth voulait pas se connecter avec la musique. C'était un peu compliqué, le train était blindé. Voilà, ce matin était un peu dur la reprise des courses parce que ça fait quand même 3 semaines que j'ai pas été en cours. Je reprends au milieu de semaine avec leur histoire de les vacances du mercredi au mercredi. Pour les alternants comme moi, ça change un peu tout. Vu que moi je suis uniquement 15 jours d'entreprise, 15 jours école. Il y a un peu de changement, donc voilà. On va vers ça et on roule un peu n'importe comment. Parce que de toute façon, il n'y a pas trop de règles à Versailles. Un niveau conduite, ça double à gauche, à droite, ça va dans un sens inverse et tout. Donc bon, là, il faut. C'est pas comme en zone industrielle où je fais vraiment attention. Là, il faut surtout. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'arrêter, rouler le plus vite possible pour pouvoir,
pour pouvoir voir à l'avance, se dire là il faut freiner, là il faut ralentir. Il faut vraiment avoir de la vitesse. Si on est à 2 à l'heure, on peut pas intervenir rapidement. Donc faut essayer de bien amortir les chocs et de ne pas perdre trop de vitesse, pas rester trop longtemps sur les passages ou les voitures. Je suis quasiment arrivé déjà, ça va très très vite. Donc on est à 5 minutes et je suis quasiment arrivé. Donc voilà, donc je m'excuse encore pour hier, la vidéo qui est coupée, c'est pas ma faute, j'y peux rien et j'ai vraiment essayé, mais au bout de 10 minutes ça se connectait toujours pas. Donc bah après j'étais arrivé, je prenais mon train et le téléphone s'est rallumé quand j'étais au niveau de mon train, donc c'était un peu inutile. Allez, pousse-toi. Non, putain, j'aime pas passer là. Parce que tu passes au milieu de deux voitures, tu sais pas s'ils vont te voir, s'ils t'ont pas vu, s'ils t'ont déjà vu. Alors, donc là, moi je vais en cours juste dans la rue à droite, là-bas, là, au niveau du bus. Donc on va rouler pépère et je vais couper la vidéo au début de la rue parce que pour y a beaucoup de monde, c'est un peu le bordel et c'est pas très intéressant. Donc j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo, une petite matinée tranquille. Je vous reprends une vidéo ce soir sur le retour. Allez, bonne journée les gars, à la prochaine. Bye bye.